Bonjour à tous, alors je commence un tuto pour ETS2, plus précis, enfin pour TEDIT. Le problème de quand on lance TEDIT, on avait une remorque et que, résultat, on n'a plus de remorque et on se retrouve au dépôt de l'entreprise. Voilà. Du coup, alors pour faire réapparaître la remorque, il faut enregistrer la partie. Après, il faut aller sur TEDIT, Reload, voilà ce que ça dit, après, c'est marqué que faut cliquer sur la remorque qu'on a, voilà, le connected n'est plus marqué, faut cliquer sur la localisation, dire oui pour les coordonnées, voilà. Et faire Save Game SI. Et vous allez voir, on charge la partie. Transport oui. Oui. Bon, faut attendre que ça charge, 2 minutes. Normal, on est sur la pro mode. Puis après, normalement, on devrait se retrouver aux dernières coordonnées où on était, avec notre remorque. Ah bah la partie charge rapidement apparemment. Eh ben, on n'a pas été remis aux coordonnées où on était, on a été remis au garage. Mais bon, on a déjà la remorque, c'est déjà ça. Je vais juste vérifier... Attends, je vais regarder la carte. Juste pour vérifier où j'étais. Et je vais me téléporter. L'important c'est qu'on ait récupéré la remorque. C'était un peu le but du tuto. Bon, je vais quand même montrer comment se téléporter. Alors j'étais où? Ah j'étais à Coco là. J'étais à Renard Logistique. Coco là. Comment s'écrit? KO2KOLA. Alors on appuie sur truc, on met go to. K.O. K.K. Et là. Ah. Hop là. Alors, pour activer le clavier, il faut appuyer sur la touche carré. Après, j'ai déjà fait un tuto de toute manière pour vous montrer comment ça marche. On va voir si je me suis pas planté dans l'orthographe. C'est bon. Ça s'écrit comme ça. Du coup, bah, on est téléporté à Coca-Cola. Hop là, on peut enlever le carré. Du coup, hop, on va chercher. Je crois que je ne me mets pas au bon endroit. Voilà. Hop là, on arrive. On y est. Du coup, je vais me remettre pile comme j'étais. À peu près. Après on appuie sur F9 et voilà. Hop. C'est bon, c'est la fin de ce tuto.